à tous les amis, c'est Valmore 333 et on se retrouve ce soir pour la suite de James Bond 007 qui tout double. Rappelez-vous, à la dernière session, on s'était fait honteusement récompenser pour ces 3 missions. 4 missions même, je crois. Il y avait également Rix à la Nouvelle-Orléans qu'on avait réussi à peu près... à sauver les meubles. Il faudra en off que j'ai le platine un peu partout pour qu'on puisse avec Fanny débloquer tous les personnages multijoueurs notamment et puis tous les éléments qu'on a à débloquer pour le multijoueur en coopératif. Donc sans plus attendre, on se lance dans la suite de notre aventure. Ah, 007. Q a analysé l'échantillon que vous avez rapporté. La nanotechnologie est l'œuvre du docteur Nadanova, mais elle a été améliorée. Améliorée ? Les nanorobots servaient initialement à réparer les réacteurs nucléaires. Ils pénétraient dans les circuits radioactifs et réparaient les systèmes de contrôle. Mais Yayakov a ajouté une cartouche d'acide et un programme de colonisation. Au lieu de réparer les circuits, ils les détruisent. En fait, ils désintègrent tout ce qui est en métal. Comme un barrage, ou un pont. Ou un bâtiment, ou une ville. Et pourquoi les nanorobots ne se détruisent pas mutuellement? Le platine? Exactement. Ils sont programmés pour ne pas détruire leurs composants. Merci, Q. J'ai l'impression que la Nouvelle-Orléans n'était qu'un test. Il faut découvrir la prochaine cible de Diavolo. Serena Saint-Germain a parlé d'une mine de platine au Pérou. Je vais commencer par elle. La géologue que vous avez sauvée. Allez d'abord voir Q. Brillante idée. Il est temps de tester le métal de Monsieur Diavolo. Comment il peut y avoir une mine de platine au Pérou alors que le platine, c'est le résultat d'un alliage? Le temps presse, 007. Nous avons amélioré seulement vos grenades. D'autres nouveautés, Q? La nouvelle fonction électromagnétique neutralisera les appareils électroniques proches. Oh. Époustouflant. Comportez-vous en adulte. C'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Ah bah là, ça mérite une sauvegarde, évidemment, hein, bien sûr. On a tellement progressé dans l'histoire. On va sauvegarder tout de suite. On pourrait nous donner le platine pour ça. Oula. Simple échange. Eh ben, échangeons. Bon, maintenant, ça va être difficile d'être dissimu. Hein. Il est temps d'aller rencontrer Diavolo. Mais James, c'est impossible. Il faudrait gagner une course. Des courses de voitures? Il achète des voitures étrangères, fait venir les pilotes et dîne avec le vainqueur. Donc, il suffit que je prenne la place d'un des pilotes. En admettant que ce soit possible, comment comptez-vous gagner? Je dois absolument gagner. Tu connais pas mes compétences sur Forza, ma petite dame. Dans une des chambres de l'hôtel. Alors, est-ce qu'il faut être dissimu? Je suppose que oui. Ah, j'ai même pas de munitions, quoi. Compris. Très bien. Attention. Dissimu. Très difficile de rester dissimu dans ce jeu plus de 2 minutes. Donc là, il y a une caméra qui surveille et des lasers de partout, donc ça ne sert à rien. Il est mort!
Oula. Il est pas mort, je l'ai juste... fléchette anesthésiante. Voilà. Putain, je peux pas le viser, lui, là-bas. Qu'est-ce qu'on a? C'est fermé. C'est fermé aussi. On va peut-être utiliser la nano-tenue pour traverser la pièce. Oh merde. Il faut y aller plus doucement. Caméra dehors. Ça, c'est l'alarme. Carte magnétique. Ah oui, je confonds les touches comme d'hab. Qu'est-ce que c'est? Les lasers. Ça, c'est bon. Pourquoi j'ai qu'une seule balle? Recharge-le. Comment je vais retraverser cette pièce sans ma nano-tenue? Comme ça, tout simplement. Bon. Dissimu. Comment est-ce que je peux désactiver la caméra? J'ai pas de munitions pour mon pistolet. Ah, la grenade IEM peut peut-être fonctionner. Oh merde. Merde. Bon, pas d'alarme pour l'instant. On va garder pour l'instant les fléchettes anesthésiantes. J'ai pas l'impression d'avoir été flag. Je viens de voir un truc. Ça, c'est intéressant. Y a pas de truc pour mon petit drone araignée. Je suis juste devant la caméra. Je viens de voir un truc. Ah bah voilà. La 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 la. Hop là. Profite bien de ta douche. Eh ben c'est nickel. A réussi à être à peu près furtif. Ce qui est marrant, c'est qu'on a entendu des mecs dire « Encore cet espion !» Le bronze, oh là là, le dégoût. Et par contre, le fait que j'embarque dans une voiture et que je gagne la course, après je vais devoir revenir à la maison de Diabolo, et là ils diront rien. Là ils diront « Tiens, c'est bizarre !»
Il ressemble étrangement, ce pilote, à l'espion pour lequel on doit vraiment faire attention. Hein. Mais vu qu'il a gagné la course, ça peut pas être lui. Bien sûr. L'émulateur qui est en PLS quand on sauvegarde. Ligne rouge. Allez, une petite course. Le Raniel Well. Alors, il faut qu'on gagne. N'oubliez pas, 007, il faut terminer premier pour rencontrer Diavolo. Ah bah, il y a des voitures... Ah bah, ça explose carrément, putain. Mais... Sponsorisé par Volotech, l'entreprise de Diavolo, bien sûr. Eh mais elle me saoule cette voiture là. De bousiller la voiture en tapant les bidons explosifs parce que bien sûr c'est ce qu'ils ont mis. Hein. Ça se voit pas du tout qu'on a une voiture beaucoup plus puissante que les leurs. Ah, j'ai été frappé par un mur invisible. Dans les explosifs. Il y a des petits raccourcis façon Need for Speed. Les sous-titres disent deux tours encore et lui il dit un tour encore. Petits effets de terre sur la voiture. On s'y croit rien. Bon, on est en première position. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va essayer de pas abîmer la voiture. Pas trop. On a le droit à une jolie petite musique sympa. Qui fait tout à fait rallye. Je pense qu'il y avait d'autres solutions que d'en arriver jusque là pour rencontrer Diavolo. Rencontrer Diavolo Fraise. Eh ben, pour l'instant, on peut rouler tranquille, hein. On n'a plus personne derrière. Hop, le petit raccourci. Le petit 007 du plaisir. La voiture qui a explosé au début. Le petit saut des familles. Allez hop, un petit 007 gratuit. Aïe. Il y avait un raccourci là, mais c'est pas grave.
Là, si on mérite pas l'or... Je sais pas ce qu'il faut au jeu. Elle passe en mode techno. Et ben voilà. Bravo 007. Vous avez l'air de beaucoup vous amuser en mission. Joli trophée. Mais vous méritez mieux. C'est totalement gratuit, mais d'accord. Merci Serena Saint-Germain. La première à être en plus assez sceptique quant au fait que je sois en mesure de gagner. Et finalement... Ah, il n'y avait que deux astuces. Et c'est quand même le bronze, voilà, parce que bon, on pouvait faire bien mieux, finalement. On pouvait envoyer dans les bidons toutes les voitures adverses. C'est incroyable. C'est uniquement la difficulté, en fait, là, qui joue un rôle dans les médailles qu'on va obtenir. Après, oui, la mission, j'aurais pu la faire en agent 00, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Parce que les IA ne sont pas plus redoutables... Elles ne sont pas plus redoutables quand on met 00 pour faire une course. Hein. Embuscade, c'est parti. On va pouvoir aller dîner. Je vais mettre le smoking pour la première fois, c'est pas trop tôt. Excusez-moi, monsieur. Votre autre voudrait vous voir en privé, dans sa suite. Et ma compagne ? Elle sera en sécurité avec nous. Je n'en doute pas. Elle a mis une robe façon Sims 2. Ah, monsieur Bond. Je vous rencontre enfin seul, monsieur Bond. J'ai tellement attendu ce moment, depuis que vous avez tué Max Zorin. On n'y va pas par quatre chemins. Monsieur Bond, que vous êtes prêt à subir le même sort. C'est un peu con de faire ça, quand même. Vous êtes moins rapide avec une arme qu'avec une voiture. Qu'avez-vous fait de la fille? On s'occupe d'elle. Au secours! Lâchez-moi! Dommage, monsieur Bond. En gagnant cette course... Vous avez signé votre arrêt de mort. Et le sien. Vous allez mourir, monsieur Bond. Après vous. Attention, c'est nous. Allez, il peut pas tirer. Il peut pas tirer, hein. Tiens. Double 0. Alors. Il faut retrouver Miss Saint-Germain et sortir de... Il a pas d'arme, lui. Avec deux balles, je vais pas aller chier loin. J'ai pas intérêt de louper mon coup. Hop là. Avec 8 balles, je peux faire des miracles. Il est mort! On va peut-être mettre le silencieux. Je n'ai pas le droit au silencieux sur cette mission. On est déjà venu tout à l'heure. C'est du recyclage de map. Peut-être que certaines portes seront ouvertes cette fois. Qu'est-ce que tu veux, toi? On va leur foutre des patates. Ramassez l'objet, ramassez l'objet. Oula. Oh. Toi. Ah merde. Alors, deux secondes, hop. Oh, la petite musique!
un Deagle. Ils sont un peu radins au niveau munitions. Merci pour le space. C'est la première fois qu'on a la K, je crois. Là, ils sont radins. Mais tu me saoules, toi. Voilà, merci. Gilet. Fermé. Diavolo Fraise a disparu, visiblement. Ah oui, carrément. On en est là. Comment on les exécute? Les mecs sont même pas armés. Tu peux pas tirer, oui, on le sait. Oh lol. Y'en a d'autres qui veulent y goûter? Putain, il donne une balle par une balle, hein, avec le pompe. Détruire le boîtier à fusible. Oui. Il m'en reste une pour toi, Philibert. Là c'est fermé, on peut pas aller dehors. Le boîtier à fusible. Bonjour. Merci. Ça c'est bien ça pour tabasser. Où est le boîtier à fusible? Ça, c'est des caméras. Bouteille. Y a pas des infos sur le PC de Diavolo? Quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit détruire le boîtier à fusible. Ah, il y a peut-être mon araignée. Est-ce qu'ils m'ont rendu mon araignée? Non. Il n'y a plus de méchants en tout cas. Où est le boîtier à fusible? Ah, je pense savoir. Je pense savoir. Ça, je peux pas le balancer. Voilà. C'est d'ici qu'on va pouvoir le bousiller. Voilà, j'en étais sûr. Alors toi. Oh là là. Il est mort tout seul. Bim, bim, bim. Les ombres buguent un peu, mais c'est pas grave.
Bond, nous savons que Serena n'a pas quitté le bâtiment. Elle ne doit pas être loin. Il doit y avoir une porte secrète. Bien sûr. Je commençais à désespérer. La patience est une vertu. Allons-y. Bon, ça s'est bien passé. C'est pour ça qu'on va voir le bronze. Voilà. Tout simplement. Vous inquiétez pas. Hein. Comme pour Nightfire, je farmerai le platine en off. Notamment quand il s'agira de faire la coop en multijoueur qui est très sympa. Qu'on fera avec Fanny. Et pourquoi pas, on fera peut-être aussi du versus. Ça reste à voir. Il me semble qu'il y a aussi du versus. En multi, donc on regardera ça. Attention. Ah oui, ma voiture. Je crois qu'ils sont trop nombreux. C'est pas le nombre là le problème. La chance. Pardon, Q. Ouais, le temps que... Ah, on reprend la voiture. Le recyclage. Jusqu'au bout, ils auraient pu au moins nous donner une autre voiture, quoi. Tu vas me faire croire aussi qu'elle a des gadgets maintenant, cette voiture. Pardon. Voilà, ça m'a pas empêché de m'en prendre une, mais c'est pas grave. Bim. Voilà, la voiture, elle est pas dans le même état que tout à l'heure. Bonjour. Hop là. La moto. Allez, la moto. J'ai entendu les gardes parler d'une mine de platine au nord de la ville. Je devrais peut-être creuser par là-bas pour trouver des informations. T'aurais peut-être pu faire ça sans avoir besoin de faire la course ni de rencontrer Diabolo, juste pour qu'il te dise « Tu as tué mon mentor, prépare-toi à mourir. » Identifiez-vous. Je m'identifie. Bond. James Bond. C'est nul ces missiles là. Voilà. Civil ça ou quoi? Non, c'est pas du civil, on est d'accord. Faire de la moto en smoking, pas donné à tout le monde. Et ben quoi? La route de la mine est bloquée. Effectivement. Réfléchissez un peu, 007, et essayez de trouver une autre entrée. Merci pour tes énigmes, M. Fous tout en l'air.
me laisse guider par les glissades contre les murs. On n'est pas un petit peu beaucoup revenu en arrière là ? C'est vraiment du recyclage pour recycler. Attention. Et ben voilà. Donc, ok. Et c'est, il te file un 007, mais si tu réussis pas, t'es mort. Donc. James Bond. J'ai réussi à même pas mettre d'eau sur mon costume. Ça, c'est très pro. On a eu les trois astuces Bond. C'est un bronze quand même. Voilà. Le jeu punit, comme dans Nightfire. Ce qui est marrant, c'est que dans Nightfire, j'ai réussi à avoir le platine sur la toute dernière mission Equinox. Et si ça se trouve, ça va faire la même chose. Le plan de Diavolo. Katia. Je pensais qu'on dînerait ensemble à Londres. Elle me l'a jeté au visage, hein, la fléchette. Hein. James Bond, de retour parmi nous. Vous n'êtes pas ici pour bavarder, n'est-ce pas? J'aurais du mal à bavarder sur la destruction de la Nouvelle-Orléans. Voilà ce qui va se passer. Dans 12 heures, je serai à Moscou. Et mes nanorobots détruiront le Kremlin. Et après la Russie, ce sera le tour de l'Europe. Je connais ce film, Diavolo. Ça se termine toujours très mal. Mes blindés sont invincibles, monsieur Bond. Mes nanorobots détruisent tous les métaux par simple contact. Il ne vous reste plus que vos sarcasmes pour vous défendre. Tuez-le! Oh là! Au revoir, James. Alors attention, nous avons quand même, parce que bon, faut pas déconner non plus, notre grenade IEM. Eh! J'ai besoin de mon équipement. Qu'est-ce que c'était? M, je suis dans la. Fléchette anesthésiante. Est-ce qu'on peut bousiller une... Je m'apprête à attaquer Moscou. Nous alertons les Russes. Avant de... Ça marche pas. Le lance-grappin, il marche là-dessus. C'est la mine. Compris. L'air est saturé de méthane. Si j'arrête le système d'aération, il va rapidement s'enflammer. Bonne chance, 007. Attends, si je balance ça... Salut! Je peux pas tirer! Je vais t'aider. Petit coup sur la couenne. Alors, on va pouvoir discuter. Ça
devrait rééquilibrer les forces. Merci. Ça, c'est bien. Ça vaut pas le SIG, hein, mais bon. C'est déjà ça. Un gilet? Oh, c'est gentil de laisser un gilet au bord comme ça. Ça, c'est fermé. C'est l'ascenseur doux qu'on appelle. Probablement de par là. C'est le même bruit que les ascenseurs dans Nightfire. Tout à une main. Ça fait quoi ça? Ouf. Ah, je suis full en deagle. Ah, c'est bon ça. Je suis censé passer là-dessous Oui, d'accord. Attention, panne du concasseur pneumatique. Le concasseur pneumatique. On va passer au deagle. Salut monsieur. On est en train de tout péter. Je dois obligatoirement remonter. Eh ben pour remonter, il n'y a qu'une solution. Hop là. James Bond. Ouf, le bruit que ça fait. Détruire les systèmes d'échappement. J'ai pas tout détruit déjà? Hors de portée. C'est bon. On évacue. Attention, panne du système d'aération. Seuil critique. Évacuation immédiate de tout le personnel. Un Dragunov. Oh, le massacre. Gaz à saturation. Évacuation immédiate. De tout le personnel, on a compris. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette pièce ? Objet à utiliser. Fuir la mine avant l'explosion. Ah mais je peux pas passer les lasers. Et d'accord, ça fait mal.
Oula. Cet ascenseur ne mène nulle part, W07. J'ai ma petite araignée. Ma petite araignée, elle peut peut-être passer. Elle peut pas passer. Gaz à saturation. Non, elle peut pas passer. Évacuation immédiate de tout le personnel de la mine. C'était donc ça. Donnez-moi des munitions, s'il vous plaît, messieurs. J'ai mon P99 qui est chargé à bloc. Et de toute façon, j'ai un lance-roquette au besoin. Je me rappelais plus du tout de cette mission-là. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Je me prends des munitions au cas où il y a un boss. Comment je passe ce truc ? Danger, gaz à saturation, évacuation. Par là. Alors messieurs, excusez-moi. Et on vous a demandé d'évacuer. Allez, cassos. Hop là. Elle a des talents cachés, notre amie Serena. Elle est pilote. Merci. Je vais prendre les commandes maintenant. Où allons-nous ? Vous connaissez Moscou ? Et voilà, et c'est ce qui va conclure cette petite session de retour au Pérou. Je vous l'avais dit hein, la dernière fois à la Nouvelle-Orléans qu'on retournerait au Pérou. Le mouchard permet de diriger à distance certains appareils électroniques 007. Il suffit de tirer sur l'appareil avec le fusil lance-mouchard et vous pouvez utiliser ensuite cet appareil contre vos ennemis. Bien. L'araignée est équipée d'une pointe imprégnée d'une toxine paralysante. Il faut être suffisamment prêt pour toucher l'ennemi. La victime sera inconsciente pendant plusieurs heures. Si vous savez utiliser ce gadget, vous pourrez neutraliser vos ennemis par surprise. C'est entendu. 007, l'araignée est désormais équipée de la même technologie que votre tenue de camouflage. Si elle n'avance pas trop vite, elle sera pratiquement invisible. Parfait. En attendant les amis, on va se retrouver la prochaine fois pour la dernière session probablement de James Bond 007 qui tout double. Everything or nothing, comme on dirait dans la langue de Shakespeare. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche bien sûr, le commentaire sous la vidéo pour exprimer toute émotion que vous pourriez avoir, le pouce bleu pour me faire plaisir et... N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, @valmore333. On se retrouve très vite les amis pour la suite de nos aventures. Salutations de l'infini !